Nous sommes au Brésil cette fois avec Rudy Champion, engagé en Rotax Max Senior. Alors déjà, Rudy, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Rudy Champion, j'ai 32 ans, je suis né le 22/01/86. J'ai démarré le karting en 2000 en cadet, j'ai été champion de ligue, après j'ai fait du National 100, après de l'ICA, après j'ai eu un gros passage à vide avec, à cause du travail. Et puis j'ai repris à fond, on va dire, il y a 3 ans, avant que je me refasse les côtes. Et puis après j'ai repris à fond l'année dernière où là j'étais en junior, où j'ai fini 8e de la NSK et cette année j'ai tout refait à fond, où on a gagné le titre de champion de ligue du centre. La NSK mais en master maintenant, parce qu'on va dire qu'on vieillit. Et 3e du championnat de France FFSA. D'accord, alors comment as-tu gagné ton billet pour le Brésil ? Parce que c'était pas facile pour toi, tu es en master et tu te retrouves ici chez les seniors. Comment ça s'est passé ? C'était un peu dur, surtout avec Olivier, où il m'a donné du fil à retordre. Et puis Romain Manger, ouais, Olivier Paris, ouais, et Romain Manger à la dernière à Salbris, où c'était pas évident, donc ça a été dur tout le long. Jamais facile. Donc, et puis là, arriver avec les jeunes, là, ça fait bizarre. Ok, alors un petit mot sur le Team France, puisque c'est un petit peu la particularité de cette épreuve. Vous partagez individuellement, mais aussi collectivement. Ouais, c'est ça. Après, j'ai la chance et que je retourne avec deux coéquipiers qui font partie du même team, PKS. Donc, bon, on va dire qu'on se connaît, on rigole, on a nos bases. Et puis, ça permet de faire connaissance avec les autres copains qu'on n'a pas forcément tendance à voir ou à discuter. D'accord. Merci beaucoup, Rudy, et bonne course.